Le volley, c'est le GFCA. Le GFCA volley, on accueille le président du club, Antoine Exiga. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé cette saison et également se projeter un petit peu dans l'avenir. Avant d'évoquer l'avenir, justement, un mot sur la saison qui vient tout juste de s'achever par une double défaite en demi-finale du championnat de France. C'était face à Tours, le nouveau champion de France. Pas rien quand même. Hein. Oui. Enfin, surtout à l'aller, on a quelques petits regrets. On aurait pu créer la surprise puisqu'on menait au set décisif. Mais je crois qu'il n'y a pas de regrets parce que Tours était supérieur, même ils l'ont prouvé au match retour. Donc je pense qu'ils méritaient la finale. Président, troisième fois sur la scène européenne. On a noté dans l'article de notre confrère Jean-Philippe Carola, J de Corse Matin, 200 victoires, 19 saisons. Du côté du GFCA à Volley. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Oui, c'est une grande histoire, très grande histoire. C'est vrai que je n'avais pas trop compté tous ces... Je n'avais pas fait ce comptage, je disais. Mais bon, c'est vrai que cette année, ça a été une saison assez aboutie. Ouais, parce qu'on a eu un peu peur, hein, c'est vrai, hein, dans le courant de la saison. Ici, c'est le feuilleton, hein, vous le savez. Finalement, vous avez fait une belle saison. Ouais, notamment avec ce début de saison, une série de défaites à la maison. Voilà, on a été. Il y a eu d'abord la blessure en Supercoupe, puisqu'on a fait quand même la finale de la Supercoupe aussi. Il faut oublier, on a perdu. Dès le premier set, on a eu notre passeur qui a été blessé. Et ensuite, il est resté plus d'un mois, disons, on a été obligé de prendre un joker parce que c'est un passeur, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile, ce qui n'était jamais arrivé. Oui, effectivement. L'actu, vous êtes là d'abord pour ça, Président. C'est le match financier que vous allez désormais livrer. La semaine dernière, vous le voyez en image, Patrice Beguet, le directeur exécutif de BPI France, la banque publique d'investissement qui accompagne un petit peu les entreprises, qui vous aide, hein, mais qui offre en gros des solutions de financement, mais sans vous trouver véritablement de partenaire, était à Ajaccio. Vous êtes toujours à la recherche de partenaires, on l'imagine. Oui, tout à fait. Bon, ça fait 4 ans que nous sommes, disons, partenaires de BPI. 4 ans que nous essayons de travailler, disons, un petit peu la main dans la main localement, mais ça ne se fait pas, c'est ça qui me... C'est dommage. Mais je pense qu'ils savent qu'on a des soucis en ce moment, ils savent qu'il faut être près de nous. Ils sont venus nous voir pour essayer d'apporter un petit peu leur expertise, je dirais. Parce que le contexte, hein, Xavier, vous allez nous dire en chiffres, c'est les finances publiques partout, et y compris dans la collectivité de Corse. Il y a un resserrement. On peut voir quelques chiffres, je crois. Nous allons consulter notre palette préparée par Hervé Coste. On note que cette saison, le budget global était d'1 643 000 euros et quelque chose, que la mairie d'Ajaccio intervenait à hauteur de 12%, la collectivité territoriale à hauteur de 23%, le département 32%, et puis les privés 27%, les privés, on pense notamment aux sponsors, vous l'avez dit, billetterie, abonnement, buvette, boutique. Il y a eu un changement entre cette saison et la précédente, hein, puisqu'on se rend compte sur cette palette que la mairie d'Ajaccio avait augmenté d'1%, donc sa participation, la collectivité avait déjà baissé de 9%, le département de Corse du Sud avait augmenté de 8%. Alors, Président, nous sommes sur le point, on se pose la question. Au moment où il y a eu la suppression des départements, au jour d'aujourd'hui, vous ne savez toujours pas si le soutien de la collectivité de Corse sera suffisant pour pouvoir poursuivre l'aventure au plus haut niveau. C'est le point d'interrogation. Oui, nous avons demandé justement, nous avons d'abord eu une première rencontre au mois de mars avec la conseillère exécutive qui nous a reçus, à laquelle on a expliqué justement à travers ces chiffres-là, qu'une collectivité majeure disparaissait à partir du 1er janvier, c'était le département. En plus, on n'a pas, nous non plus, les comités d'agglomération, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, parce qu'il faut le dire, sur Ajaccio, le sport, la compétence est à la mairie, à la différence, par exemple, de Bastia, qui est à la CAB. Par rapport à mes collègues du continent, eux, ils ont 4 intervenants. Nous, aujourd'hui, on n'en a plus que 2. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est pénalisé là-dessus. Donc, logiquement, c'était de dire, voilà, une collectivité majeure qu'était le département, puisque vous avez chiffré le pourcentage, 33%. 32%, oui. Tout à fait. Donc, qui disparaît. Donc, c'est un tiers du budget, je dirais, qui disparaît. Donc, et ça pose problème. Et ça pose problème parce qu'on ne sait toujours pas si la collectivité de Corse, qui a pris la compétence, qui a pris les compétences du département, pourra justement nous abonder justement ce montant-là. Donc, c'est nous, aujourd'hui, on est à.
on est un peu serré en termes de timing, c'est-à-dire qu'on doit donner des garanties à la Ligue. On a fait parvenir à la Ligue un prévisionnel. Il y a un calendrier, président ? Il y a un calendrier ? Oui, un calendrier, c'est-à-dire un prévisionnel pour le 15 avril. Bon, ouais. Le conseiller exécutif était au courant, puisqu'on lui avait expliqué justement qu'il fallait nous donner des chiffres. Enfin, du moins, il fallait nous éclairer là-dessus. Et là, je pense qu'on va être reçu très bientôt. Alors, j'ai demandé. Par la DNACG, hein ? Alors la DNCG, oui, la DNCG, donc qui est le gendarme financier, doit valider notre prévisionnel dans. C'est quoi le plus fin mai. Vous avez baissé autour d'1,5 million. Oui, millions, on va essayer de peut-être baisser, mais on ne sait pas. Le problème aujourd'hui, c'est pas tellement ça, c'est qu'aujourd'hui il y a un marché de joueurs qui se fait entre mars et avril que nous. Vous voulez avoir des garanties auprès de la CDC, c'est ça. Absolument, des garanties pour savoir où ils peuvent aller. Comment. Mais président, on le sait, la CDC vous a. Invité à une réunion préparatoire il y a quelques mois avec vous et les autres clubs professionnels et a initié un nouveau modèle, c'est-à-dire on tend vers le, entre guillemets, le zéro argent public, zéro subvention. Après, il y a les missions d'intérêt général et tout. Mais est-ce que ce modèle, vous en avez défini les contours avec eux ou pas du tout ? Non, pas du tout. Depuis, non, parce qu'on nous avait dit que la subvention exceptionnelle qu'on avait les dernières années n'était plus d'actualité, qu'il fallait revenir à. C'est ce qu'on a fait cette année, dans le prévisionnel de 2017-2018, enfin dans le réel, je dirais. On a mis moins de 100 000, puisque vous disiez qu'il était en baisse, donc c'était justement à cause de ça. On s'est plié à ces exigences-là. Le problème aujourd'hui, c'est que. On ne sait pas maintenant s'il y a un nouveau guide du sport qui va venir. Je crois que les élus travaillent dessus. Je ne sais pas s'il va y avoir une autre source de financement. On ne sait pas. Mais le temps politique est plus long que votre temps à vous. C'est voilà, ça, en fait. Alors, le... Donc, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a alerté au mois de mars parce qu'on savait qu'il le 15 avril, il fallait donner quelque chose à la. Un prévisionnel. Ce n'est qu'un prévisionnel, mais c'est quand même des éléments de base pour savoir comment nous allons fonctionner. Et on a envoyé un prévisionnel un petit peu, je dirais, sans avoir de certitude. On vous sent vraiment inquiet, président. Ben, je suis inquiet. On est obligé d'être inquiet parce que c'est des chiffres quand même importants. Et nous avons des obligations de faire une équipe parce qu'on a quand même cette année fait une saison, comme vous disiez, la plus aboutie. On va en voir quelques images d'ailleurs. Justement, la prochaine saison est en chantier, président. Vous avez déjà procédé à des contacts, voire même presque recruté certains joueurs. Mais oui. Pierre Pujol notamment. Oui, hein, voilà, c'est un ex-international que tout le monde du volley connaît, donc qui serait le nouveau passeur du club. C'est un joueur d'expérience. Un excellent joueur. En duo avec Jeff Uziga, ce sera pas mal. Sur le plan international, qui joue à Berlin en ce moment. Et donc, si vous voulez, c'est un joueur que nous avons. Parce qu'il est très ami avec mon fils. Donc, on a pu le convaincre de venir chez nous. Et il a été très, très content de. Enfin, il est très content de signer Ajaccio. Ouais. Et Takaniko, lui, part à Toulouse. Frédéric Fernandez était en fin de contrat. Il a été renouvelé, donc je vous annonce la nouvelle. Donc il a été renouvelé. Il n'y a pas de problème. C'est un garçon, disons, c'est un entraîneur que nous maintenons depuis le CV. Il est un petit peu sollicité. Hein. Il est très sollicité, je peux vous dire, même au niveau de la DTN. Alors, le pointu, Gonzalez ou pas ? Gonzalez, on l'a laissé libre pour le moment. On ne lui a rien promis parce que justement, c'est un peu le poste clé. Et si on n'a pas de certitude justement là-dessus, c'est qu'on peut pas aujourd'hui faire des recrutements avec des joueurs majeurs, parce que je vous dis, on navigue un peu à vue. Et aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'on puisse avoir une réunion de travail avec les élus pour pouvoir définir, si tu veux, ou un nouveau mode de financement, ou d'aide, je dirais, ou savoir, parce que nous perdons aujourd'hui une collectivité qui avait au niveau communication surtout, avait fait un gros effort. Qui nous a permis justement d'être là où nous sommes. N'est plus là, il y a une collectivité unique dont vous devez. Mais il faudra passer par des financements privés, président, vous le savez. Ben oui, à terme, mais brutalement, si demain on devait nous enlever cette manne-là, je pense qu'on ne pourrait pas repartir. C'est là le problème, il faut le dire. Ça se passe en progression, quoi. Voilà si c'était sur 3 ans. Ouais. Moi, ce que j'ai toujours dit, et je le redis ce soir, c'est j'avais déjà sollicité les élus à ce sujet, c'est de faire avec eux des conventions d'objectifs et pour avoir une lisibilité sur la durée, sur le moyen terme. Je le répète, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais malheureusement, je ne l'ai pas. C'est pouvoir travailler dans la durée avec eux et faire vraiment travailler des gens en bonne entente, je dirais. Merci, président. C'est une actualité, bien entendu, qu'on suivra tout au long de l'été. Hein. J'espère, et puis j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles, mais quoi qu'il en soit, je vous dis, je suis inquiet.
Et c'est normal parce que je ne peux pas mettre en place un collectif qui devra redémarrer la saison.